Bonjour à toutes et à tous, Franck Sauzet et moi-même vous attendions pour vous faire vivre ce match de l'Euro 2012. Oui, bonjour à tous, installez-vous, je crois que les joueurs sont prêts. Franck, en préparant ce match, je me suis aperçu que vous avez participé au premier France-Angleterre ayant eu lieu dans le cadre d'un championnat d'Europe. Eh bien, vous avez raison, Hervé. C'était en 1992, à Malmö, et nous étions séparés sur un fabuleux 0-0. Ouais, j'y étais. Je peux dire que j'y étais, c'était vraiment un match pourri. Et ce sont les Anglais qui engagent. Superbe ballon de John Terry. John Terry. Beck. L'intervention de Héron. Oh, ça va rentrer. Le gardien est pour remercier sa bonne étoile. Oui, parce que dans cette position, d'habitude, il est plus dangereux. Mexès, Sanya, Johan Cabaye, Don Gourcuff, Karim Benzema. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire. Ouais, c'est bien parce qu'il y avait danger. Et c'est finalement pour le gardien. L'équipe de France qui obtient un corner. Pour un long dégagement. Evra, il se dispute le contrôle du ballon. Yann Villa. Ok, elle est bien partie. Et c'est vraiment qui file en corner au bénéfice de l'équipe de France. On va pas attendre le rebond, le rebond, et le but ! On attendait plus qu'une chose dans cette Euro 2012, un but, et bien voilà, c'est fait. Et oui, et c'est bien, ça lance définitivement la compétition, cette fois ça y est, on y est. Voilà, après cette ouverture du score, ça fait 1-0. Evra, un petit mot sur ce joueur, Franck. C'est typiquement le genre de joueur qui est monté pour apporter du soutien devant. Johan Cabaye. Parker. Oui, il la donne. Il essaie de prendre le ballon à Gerrard. Il a bien coupé là par la défense. Yann Gourcuff. Yann Villa. Ballon pour Samir Nasri. Ouais, joli jeu de passe. Il va falloir faire attention au marquage sur cette remise en jeu de l'Angleterre. Et il a du champ maintenant. Oh, il a déposé sur place. Et ça peut être tiré contre eux. Oh, son équipe était en danger. Il a commis la faute. Avec Philippe Mexès, Evra. Gourcuff. Il y a un sacré jeu collectif hein, quand même dans cette équipe. Le débordement n'est pas passé, ballon récupéré. Derek Cahill, Adam Johnson. Gerrard. Adam Johnson. Et le ballon qui va changer de possession. Karim Benzema et John Terry qui tacle. Scott Parker, John Terry. Oh, quelle action, le but peut-être. Ah, attention, la frappe, c'est repoussé par le montant. Ah, ils peuvent récupérer le ballon finalement. Ah, le gros de bleu, ça te touche. Ça peut être dangereux. Ah, le tacle.
Célestin. Samia. Et à présent, Samir Nastri. Yann Villa. Franck Ribéry maintenant. Mexès qui dispute ce ballon. Et Mexès. Un mauvais passe de Nastri. Allez, il faut dégager ça vite fait. Bonne sortie du gardien. Voilà, déjà 45 minutes dans ce match, un petit but simplement 1-0. Nous en sommes à la mi-temps de ce match, Franck, vos impressions? Eh bien, je dirais qu'ils ont bien rempli leur contrat hein, jusqu'à présent. Ils mènent avant de regagner les vestiaires. S'ils parviennent à maintenir cette avance pendant encore 45 minutes, et on aura le plaisir de les retrouver au tour suivant. Voilà, le début de la seconde période dans un instant. L'équipe de France qui a bien négocié la première partie du match, même le fait de l'affichage. Access. Yann Villa. Yann Gourcuff. Et on raille cette belle occasion. Alain Johnson. Yann Gourcuff. Et il redonne. Il a été fait de reprendre ce ballon. Il est magnifique, il a bien fermé le couloir. Pour la France. Oh, que ça circule bien, c'est beau. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Oh, oui, le gardien qui s'envole, c'est magnifique. L'équipe de France qui obtient un corner. Il a pris le dessus, et quand il est lancé comme ça, ses dribbles sont irrésistibles. Johan Cabaye. Yann Villa. Gareth Barry. Ouais, le ballon repris sur l'aile. Et il trouve le gardien sur cette frappe lointaine. Et ce ballon qui file en corner au bénéfice de l'équipe de France. Décidé de procéder à un double changement. Oh, le but pour l'équipe de France! Alors, si les défenseurs ne le connaissaient pas, ils vont apprendre à le connaître. C'est son troisième but personnel. Un corner admirablement bien frappé. 3-2-0, ils prennent le large. Benzema en profite pour intercepter. Ce championnat d'Europe des Nations que l'on doit à un Français, Franck. Eh oui, Hervé, à un Français, à Henri Delaunay, en effet, qui a donné son nom à l'autre fois. Ah, les Français qui ont également inventé les Coupes d'Europe de clubs. Il est très bon pour les inventer. Moins... Oh, quelle occasion! Ouh, ça passe juste au-dessus. Par Evra. Et l'excès. Yann Villa. Yann Gourcuff. Karim Benzema. Allons pour Samir Nastri. Bon tacle, avec beaucoup d'engagement, comme toujours avec lui.
Greg Parker. Oh, quel joli tir! Il n'avait plus que le gardien à battre, quel dommage! Il faut dire que le gardien lui a bien fermé l'angle, il ne s'est pas trop livré. Et ce jeune gardien n'a toujours pas pris de but lors de cette rencontre. Johan Cabaye. Sania. Johan Cabaye. Evra. Oh oui, la bonne passe vers les buts! Oh, le tir! Ça va plus faire un but de plus, mais l'occasion est ratée. C'est Wayne Rooney qui fait son entrée. Mendela. La gestion défensive de John Terry. Wayne Rooney. Evra. Yann Villa. Portouf. Ashley Cole. Allez, il y a toutes les Anglais pour y croire dans ce match. On va voir comment ils vont jouer ces ballons. Oh oui, le bon ballon. Ouais, très bien joué. C'est dégagé de la tête. C'est l'Anglais qui lui dispute ce ballon. Oh, ça c'est une bonne balle dans la défense. Peut-être le but. Oh, sur le poteau. Et ça sort. L'arbitre qui avait compté 2 minutes de temps additionnel. Avec Frank Lampard. La balle pour Wayne Rooney. Et ce match qui s'achève sur cette belle victoire de 3-0, c'est terminé. Et cet Euro qui commence de la meilleure des manières pour eux, donc avec cette victoire. Ouais, là, ils sont en train de mettre les choses au clair, d'entrer dans ce groupe avec ces 3 points. Et bien, il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre fidélité. À très bientôt.